Qu'est-ce que la démocratie? Quels sont les principes fondamentaux de la démocratie? Pourquoi la démocratie échoue-t-elle en Afrique? Lorsque nous aurons épuisé cette première série de questions, nous nous attaquerons bien sûr aux perspectives africaines de la démocratie, avec comme questionnement comment fonctionne globalement une démocratie africaine. J'espère que le public aura des références à nous proposer. Faut-il rompre avec le bimétisme institutionnel? Quels sont les défis de l'africanisation de la démocratie? Ce NFSI, c'est une manière aussi de montrer qu'on est unis dans la diversité. Et cette diversité est illustrée par ce qui se passe dans le parc ici. On est ouvert à tout, mais cela, ce n'est pas une gloire pour nous. Nous avons été bercés par cela, parce que nous, notre enfance a été bercée par le président Léopold Sédar Senghor, qui a toujours prôné la civilisation de l'universel, qui est en quelque sorte l'enracinement et l'ouverture. Avant d'être ouvert vers les gens, il faut se reconnaître quand on se met devant la glace, connaître sa propre culture pour pouvoir prendre le meilleur de sa culture et la donner aux autres. Ce festival est juste un symbole d'intégration. Je sais que ce matin, une rue de la ville de Senon a reçu le nom de Malick Sen, et que donc ça prouve que les Sénégalais, partout où ils sont non des obstacles à l'intégration, mais plutôt des facteurs d'intégration. C'est l'ensemble du pays, l'ensemble des Sénégalais qui ont été honorés. Ceci est une fierté pour tous les Sénégalais. Que c'est à l'Africain, c'est aux Sénégalais de montrer des exemples, de montrer qu'on a de la volonté, on veut travailler, on peut travailler pour mériter quelque chose. Fessi sénégalais comme homme association bu magla don ko def chaque année bon ñu jappalé len ci ñew diko def mais du sénégalais rek fepp lay dem mariage ngenté anniversaire tout parce que nek lo mënul do ko def ma ngén ñaari début du Sénégal début basse début tout le monde tous les africains tous les français tout le monde fi lek début rek jang je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'on triche ce schéma là au niveau du Mali. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une approche non plus purement consulaire, mais de gestion des Sénégalais de l'extérieur. Et la gestion des Sénégalais de l'extérieur inclut à la fois les aspects économiques, les aspects culturels et d'autres aspects que nous devons prendre en charge au niveau des consulats et bien sûr en coordination avec les associations de Sénégalais. Ce n'est pas aussi la dette de l'Afrique, mais juste pour dire que si on fait le bien, on récolte le bien. Si on fait le mal, on récolte le mal. Bye.
Mm-hmm.